Ça fait déjà 3 jours que tu es arrivé là. Tu as bien fait d'arriver ici là parce que c'est compliqué ici avec ta mère. La fois dernière, tu vois le terrain. J'ai acheté ça pour ta mère pour qu'on puisse faire un bâtiment ici là. Comme depuis là dans l'armée, ils ont beaucoup d'argent. On doit faire un bâtiment ici. Tout ça là, toi tu vas prendre ta partie au coin là-bas. Mais le vif du sujet, ce n'était pas ça. Ta mère, elle m'a attrapé ici avec une femme. Une femme bien jaune. Ah, bah, parce que c'est un chien. Elle me disait qu'elle partait en mission. Mais la mission là, ça a raté. Elle n'est plus partie. Elle m'a coincé la main dans le sac avec la femme là, ici, dans la cour. Chance, les voisins n'étaient même pas là. Donc, comme toi, tu t'entends bien avec ta mère, tu dois parler avec ta mère pour qu'elle puisse me pardonner. Papa, tu me donnes combien, bon? Je vais te donner combien, comment? Résous-moi d'abord ce problème et ensuite on verra la suite. Okay. Tu sais que ta mère elle aime l'argent, non? Tu parles là-bas. Ah, elle arrive. Bonjour, maman. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Merci. Bonjour, chérie. Bonjour, c'est. Faut appeler la fille Claire là pour dire bonjour. Bonjour, c'est avec qui? Moi, je ne t'ai pas appelé là pour qu'on puisse encore avoir les problèmes. Aujourd'hui, on doit arranger les problèmes. Parle, parle, il y a le soleil. Parle, il y a le soleil. Ton fils est là. Donc, la seule chose, c'est que il voulait te parler. C'est comment? Il y a quoi, c'est? Ah, regardez, papa m'a fait comprendre que ah, tu l'as commencé avec une dame métisse. Quand lui, il aime trop, les métisses là. Quand tu as décidé de mettre tes enfants dans nos problèmes. Il aime trop les métis. Ce qui est bien, c'est que tu connais ton père. Ce qui est bien, c'est que tu connais ton père. À un moment, va le pardonner, tu l'as demandé de conserver une maison. Trois niveaux. Ah, mon fils, vraiment, que Dieu te bénisse. Ça, c'est même les mots que tu viens d'enlever de ma bouche comme ça. Lui, il va nous faire la maison là. Mais moi, je ne pardonne pas facilement. Pour la maison, ça, il n'y a pas de problème. D'ici demain, il y aura des camions de sable gravés. Ils vont venir bénir ici là. On va construire la maison. On va vous... C'est pour vous. Lui-même, il connaît ce qu'il faut faire pour que moi je pardonne. Il sait ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il parle de construction et tout ça, là, je m'en fous. Moi, moi là où je suis là-bas, tu sais que dans ce moment-là, c'est une tête que j'ai repayé, non? Tu sais ça, non? Oui. Chez moi, si je décide même que demain, Pouadène là, arrive là, on va me construire la maison. Mais ton père, c'est ce qu'il faut faire. S'il ne touche pas ma partie sensible, il sait que le problème là, c'est chaque fin du mois, le problème là est sur la table. Papa. Et j'ai décidé que je ne prépare plus. Papa. Donc tes parents qui aiment venir n'importe comment là, je dis ça là devant ton fils il est là. Tes parents là, tes oncles, qui ne me servent à rien. Ceux qui aiment venir dans la maison là, parce qu'ils pensent que c'est ton argent. Pour le moment, ils ont interdiction d'arriver dans ma maison. Ah, tu as pour intérêt. Tu as intérêt. Même tout tu as laissé que toi c'est les filles claires, non? Non. Comme moi, avec mon thé noir là. Tu ne vois pas qu'en ce moment-là, c'est les Noirs qui sont en train de gérer le pays. Je sais que vous êtes tout le temps. Papa, tu iras chez le boutiquier. J'ai laissé 500 000 là-bas. Hein? Tu viens, tu remets ça à ta mère. Ah. Pour qu'elle puisse faire la pourquoi. Cours déjà. Cours déjà. Ça, c'est ma partie sensible. Les 500 000 là, c'est rien. Malgré cela, je vais prendre d'abord l'argent. Tu vas compléter. Et n'oublie pas la fête de la construction. C'est pas parce que j'ai dit que non, le sable, on va venir baigner ici là que tu penses que j'ai l'argent. N'oublie pas la construction, tu donnes aussi l'argent. J'ai déjà parlé avec mon chef. Hein. Voilà. Donc, la fin du mois là, tu auras quelque chose. Combien? Plus de 500 000. Voilà. Donc, tu as laissé les doigts sur les machines. La prochaine fois que je vais encore te voir, je vais casser la fille directement les sous. Comme toi, tu n'as pas compris. Non, toi, tu n'as vraiment pas peur du fusil. Oh. Tu n'as pas peur du fusil. Toi, vraiment, tu veux ma mort. Tu veux que non, crise cardiaque, bon, tu vas prendre tous les incendies, tu vas les intégrer. Oh, je ne veux même pas discuter, pardon. Dès qu'il arrive, il m'envoie directement l'argent à la chambre. Okay. Voilà. Tu as intérêt à arranger la tenue là. Intérêt. Pour respecter la tenue là. C'est de l'argent sur la direction. Ça, c'est l'État. Voilà. C'est l'État direct.